Salut les loulous, c'est Soma. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de Graveyard Keeper. Alors, avant de lancer la game, je voulais faire un petit point avec vous sur le Let's Play et sur tous les gens qui suivent assidûment la série et surtout toutes les personnes qui me donnent énormément de conseils. Donc déjà, je tenais à vous remercier pour ça. Donc depuis la vidéo 15 que j'ai tournée, qui n'est pas encore sortie au moment où je tourne cette 16, j'ai pu faire le point de tous vos commentaires depuis l'épisode 12 et de un peu faire un récap de tout ce que vous m'avez donné comme conseil. Et du coup, je me suis un peu tout noté, ce qui était important, que je n'avais pas encore fait et que j'aurais à faire. Donc déjà, merci pour ça. Dans les commentaires, à un moment donné, il y a... alors, je crois que c'est Kena qui m'a dit, qui m'a demandé, enfin... comment je faisais pour... comment j'arrivais à jongler avec tous les jeux que je fais en let's play. La réponse, elle est simple. C'est pas évident. Alors, il y a deux choses à savoir, en fait. C'est pas évident. Dans la façon dont je gère ma chaîne et le fait d'être youtubeur, il y a deux choses qui sont un peu frustrantes. La première, c'est justement, c'est comme sur ce type de jeu, où j'aurais envie d'y jouer beaucoup plus, et malheureusement je peux pas, vu que je fais grosso modo 2 fois 45 minutes par semaine, hein, donc j'y joue qu'une heure et demie par semaine, donc c'est pas beaucoup pour avancer et découvrir le jeu. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, forcément, je fais beaucoup de jeux différents sur la chaîne, et du coup, tout le temps passé de l'un à l'autre avec des gameplays différents, souvent je me mélange, déjà dans les contrôles et autres, ou dans les raccourcis clavier pour aller à telle ou telle chose, et puis forcément j'oublie beaucoup de choses entre les différentes séries, et surtout encore plus quand je suis absent des fois 10 ou 15 jours, hein, comme ça a été encore le cas ces dernières semaines. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup d'erreurs, que je fais beaucoup d'oublis. Alors comment je fais pour jongler? J'essaie de faire au mieux. Et justement, grâce à vous, j'arrive à m'améliorer, notamment sur ce jeu-là. C'est un jeu que j'adore, c'est un jeu où j'ai un peu de mal, j'ai même, je pense, beaucoup de mal à avancer, mais grâce à vous, j'arrive à rattraper mes défaillances, on va dire. Donc du coup, dans ce 16e épisode, je vais vous montrer en début d'épisode ce que j'ai fait hors caméra, parce que j'ai fait un peu de farming hors caméra, comme on m'avait conseillé de le faire, et j'ai surtout continué d'améliorer le cimetière, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hein. Y a rien de bien méchant, alors j'ai pas rendu de quête, j'ai pas eu de nouvelle quête, j'ai fait forcément des messes, mais j'ai rien changé dans l'église. Du coup, j'ai pas mal de jetons de foi, j'ai fait quelques recherches supplémentaires sur des bricoles avant de les détruire. C'était en fait les pierres tombales en forme de croix et les entourages en forme de bois. Donc rien d'exceptionnel. Et puis je mets toute une petite liste de choses à faire. Alors, par exemple, voir pour améliorer le fourneau au niveau 2, vu que je peux le faire. Essayer de crafter une nouvelle prière pour peut-être gagner plus de foi et d'argent. Regarder pour à nouveau ajouter des choses à l'église, faire aussi la quête avec serpent, vu qu'apparemment je peux avancer dessus. Je me suis noté aussi comment avoir des plumes, il suffit d'aller les acheter. Donc tout ça, c'est des conseils que vous m'avez donné, hein. Je me suis remarqué aussi, même si je le sais, que c'est le sang et la graisse, hein, qu'il faut enlever sur les cadavres, vu que vous verrez, j'en ai dépecé pas mal, on va dire. Et je me suis aussi noté l'astuce qu'on m'a donnée pour plus tard sur la poudre noire. Comme ça, j'aurais pas à rechercher à nouveau dans les commentaires comment faire. Donc du coup, les loulous, on est parti, hein, parce qu'on va jouer quand même. Et on va essayer de faire les choses bien, sans rien oublier. Et puis bien sûr, je compte sur vous, comme d'habitude, pour me donner des astuces. On m'a donné aussi, là, on m'avait donné, je crois que j'en avais parlé l'autre fois, l'astuce pour la mine de fer, où on récupère, vous savez, des gros blocs de fer. De faire là-bas le truc de stockage pour ces blocs, justement, que j'ai aussi ici, hein. Je crois que c'est ça. Et de faire le découpe pierre, alors ça, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est ça. Voilà, de faire un coupe pierre là-bas pour pouvoir transformer les gros blocs en minerais et du coup pouvoir transporter sur moi les minerais plutôt qu'un bloc par un bloc. Donc déjà au niveau farming, j'ai pas eu le temps de farmer du métal justement, mais j'ai farmé du bois et de la pierre, des grosses pierres, j'en ai même par terre parce que j'ai plus de place dessus. Donc voilà, j'ai mon petit stock de pierres et de bois. Et puis surtout la chose principale que je vais vous montrer de suite, c'est l'amélioration du cimetière. Alors j'ai aussi eu 3 petites brochettes là d'avance. Mais le cimetière, alors tout n'est pas fini bien sûr, mais regardez la note, je suis à 80.
Et en fait, grâce à vos astuces et vos conseils, je suis en train de transformer tous les corps que j'ai à l'intérieur avec les nouveaux qui arrivent. Donc les nouveaux, je les traite pour avoir 5 crânes blancs dessus. Et du coup, avec mes pierres tombales qui me donnent 3 et l'entourage qui donne 2, eh ben, j'arrive à une note de 5. Il y a même eu un cadavre que j'ai enterré. Alors, c'est peut-être celui-là, voilà. Ici, où j'ai eu 6 crânes. Mais pour l'instant, je pourrais avoir qu'une note de 5. Vu que je vais rajouter une pierre tombale qui donne 3 hein, quand je pourrai la craft. Enfin, d'ailleurs, on va aller la craft. Et le sixième crâne, bah, il faudra que j'ai un entourage qui me donne 3. Et je pourrais avoir une note de 6 maximum, vu que j'ai 6 crânes blancs. Si je mettais par exemple, on m'a expliqué, une pierre tombale de 4 et un entourage de 3, ça ferait 7. Mais je n'aurais quand même que sur ma tombe qu'une note de 6, parce que je n'ai que 6 crânes blancs, donc je ne peux pas aller au-delà. Voilà. Donc le but à terme est de virer encore toutes les tombes qui sont à 1, à 2 et à 3. Je pense que la 4, je la laisserai. Avec des nouveaux cadavres. Et pour le moment, j'ai arrêté justement l'arrivée de cadavres parce que bah, j'étais un peu débordé en fait. Je n'ai plus de carottes à mettre ici. Et j'ai 4 crématoriums. Enfin, 4, c'est pas des crématoriums, c'est des bûchers qui sont prêts à recevoir des. Ah, j'avais pas fait les constructions, tiens, je viens de voir. Qui sont prêts à recevoir des corps justement quand je relancerai la machinerie des corps. Ensuite, j'ai une dernière chose à vous montrer. J'ai planté énormément de choses et je les ai pas récoltées pour faire avec vous, justement. Donc on va aller faire ça de suite. J'ai planté plein 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 de légumes. Donc on va aller voir le champ. J'ai aussi arrêté de faire du compost, mais je crois que de toute façon je peux plus en faire parce que justement vu que j'ai pas récolté, bah, j'ai plus de déchets. Donc on a bien sûr notre chanvre ici. Voilà. J'ai plein de carottes, j'ai racheté des graines en fait, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a du chou. Non, ça c'est les radis, pardon. On a du chou. Hein, je vous rappelle, j'avais hop, acheté des graines et j'ai fait du blé aussi. Voilà. Tout simplement. J'ai bien réorganisé mes coffres aussi, hein. Là-dessus, il n'y a plus de soucis. Tout est bien rangé plus ou moins au bon endroit. Il y a peut-être les cendres qui sont. Alors on m'a dit oui, à un moment donné, apparemment, j'ai cherché mes cendres dans un épisode. Donc elles sont dans le coffre où il y a les bûchers, hein, tout simplement. C'est juste moi qui avais zappé. Alors ici, on va mettre quoi? Eh bien, on va mettre le chanvre, je peux en faire 4. Mince. Voilà. Ok, ensuite on va bien sûr là des carottes. Alors je peux replanter que malgré tout ce que j'ai ramassé, bizarrement je peux en replanter que 2 parcelles. Bon bah tant pis. On m'avait dit hein, que c'était aléatoire malgré que je mettais de l'engrais, que c'était aléatoire ce que j'allais récupérer. Vous voyez les betteraves va me manquer une graine. Donc là, les choux, je peux refaire 2 plates-bandes. On va voir le blé. Et le blé, je peux faire qu'un seul. Ok. On va ranger tout ce qui nous convient pas ici. Le chanvre, pour l'instant, je le stocke là. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Voilà. Et puis le blé et le reste, on va le monter là-haut. Je vais récupérer les champignons. Alors, on va regarder pour l'amélioration du fourneau, si on peut le faire ou pas. Parce que j'ai plus en tête ce qu'il fallait. Je vous rappelle qu'on peut améliorer. Alors, je crois que c'est. Voilà, ici. Alors, il me faut juste 2 papiers en peau de porc. Donc, on va aller les chercher. Donc, je vais essayer de bien faire les choses dans l'ordre. On va lancer de la cuisine aussi. Alors ça, on m'a donné l'astuce pour m'en débarrasser, mais le problème c'est que je comprends pas l'astuce. Hein, je suis désolé. Donc si quelqu'un peut me dire comment on se débarrasse des outils rouillés, hein, c'est bien les rouillés hein, que je parle, c'est pas autre chose. Je suis preneur, parce que je ne trouve pas. Comment m'en débarrasser? Ça ferait de la place dans mes coffres. Voilà.
Ici, j'ai stocké les objets que je dépose sur les cadavres et qui se stackent pas. Alors du coup, ça prend énormément de place et très vite. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Et je vais aller voir si j'ai des papiers de des trucs de peau de porc, là, je sais pas quoi, pour améliorer notre fourneau. Donc ça, le fourneau, ce sera fait. Du coup, alors, j'ai des peaux. Et alors, est-ce que c'est ici? Je me rappelle plus. Papier en peau de porc. Bien, on va en faire un craft. Alors, je vais prendre aussi sur moi les jetons de foie. Vous voyez, j'en ai 20. Parce que dès que je vais croiser Serpent, eh bien, on va lui donner ses 5 jetons qu'il réclame depuis un petit moment. Donc, on retourne là-haut. On va améliorer ce fourneau. Voilà, on a récupéré 3 brochettes de plus. Voilà, c'est parti. Alors, il faut 50 d'énergie pour l'améliorer, le bidule là. Nickel. Et du coup, là-dedans, on peut faire les lingots de fer par deux. Donc, c'est clair qu'on va gagner du temps. Les lingots d'acier par deux. Il faudra juste que je trouve du graphite. Et on peut faire le verre par deux. D'accord. Donc ça, c'est fait. Je barre dans ma checklist, améliorer le fourneau. C'est bon. Donc maintenant, on va regarder les loulous pour ce qui me manque sur mon cimetière. Donc, je vais récupérer les petits champis ici. J'aime bien me faire des brochettes, en fait, de champignons. Voilà. Je vais regarder ce que j'ai en stock et ce qu'il va falloir que je prépare. Donc déjà il me manque ici une pierre. Et il faudrait que j'ai encore un entourage, une pierre d'avance. Et ici, alors j'ai deux entourages d'avance. Donc on va faire des pierres tombales. C'est parti. Vu que mine de rien, on a de la caillasse. Alors, on est en symbole vert, donc tout va bien. Alors, il faut le coupe-pierre, j'imagine, pour... Voilà. Donc, eh bien, c'est parti, hein, on va tout faire. Hein. Surtout, je pense que de la pierre, il nous en faudra pas mal, donc... Autant y aller. Puis on ira dormir, parce que je pourrais pas tout faire d'un coup. Allez, on va faire dodo. Est-ce que je peux pas lancer un peu de cuisine? Je peux lancer ça. Et ici. Alors la choucroute qui rend 25. Demande du chou et de la carotte. Ça rend 25 surtout. On va faire ça. Ah oui, ceux-là. Ah oui, ceux-là, il faut que je les crafte moi-même, c'est vrai. Allez, dodo. Alors, la prochaine prière est dans une demi-semaine, on va dire. On passe en symbole rouge. Va falloir que je m'attelle à la pêche aussi, maintenant qu'on a la canne à pêche. Il va falloir essayer de tester un peu ce système. Encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, hein, de toute façon, sur le jeu, hein, on m'avait prévenu. Il n'y a pas de quoi chômer. En plus, on les fait par 3. Donc là, c'est cool. Ça, là. Ensuite, hop. On continue ici de transformer nos grosses dalles. En pierre, et ensuite on va faire bien sûr hop les tombes. Donc il me faut on va faire deux comme ça pour l'instant. Hein, on va pas non plus je vais en faire une troisième.
ça. Alors, là on est bon. On va relancer de l'engrais. Voilà. Donc on a le fameux debuff, hein, donc métabolisme lent qui permet de garder les buffs plus longtemps. Bon, j'ai pas de buff. C'est pas grave, là c'est juste pour avoir de la nourriture pour me remettre de la... Comment dire, de la... de l'endurance, pardon. Alors, c'est ici que ça se passe. On met ceci. Voilà, puis on va monter à 83. Ça, c'est cool. Alors, on m'a dit aussi de regarder la boîte aux lettres. Hein. C'est vrai que du coup, il y a des choses à débloquer. Du coup, j'achète beaucoup de permis d'exhumation hein, pour bah, pouvoir déterrer les cadavres. Auxquels, du coup, j'enlève tout ce que je peux enlever et ensuite, je les brûle. Comme ça, ça me fait un certificat d'inhumation que je peux aller revendre. D'ailleurs, je crois... Alors, je pense plus pas que j'en ai à revendre. J'avais tout viré, oui. Donc, on va ranger les pierres de stock. Enfin, qui sont en stock. Voilà, on va ranger aussi le parchemin. Et on va regarder pour essayer de faire une nouvelle prière. Ah, il y a quelqu'un qui est venu au confessionnal. Cool. Un jeton de foi et un truc d'histoire. Impeccable. Il y avait longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est la deuxième fois seulement que j'ai mon confessionnal qui est rempli par... Enfin, que quelqu'un soit rentré dans mon confessionnal. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, du coup, les loulous, on a dit faire une nouvelle prière. Alors, les nouvelles prières, est-ce qu'on peut en faire ici? Non. Alors, cordes de chanvre, hein, quand j'en aurais besoin, maintenant, je peux les crafter. Hein. D'ailleurs, le chanvre, il faudrait que je vienne le stocker ici, en fait. Et ici, alors, je peux faire... Alors, il me faut des chapitres pour faire des prières. Pour faire des chapitres, il me faut des notes... Pour faire des notes, ah c'est ouais, c'est compliqué. Pour faire des notes, il me faut des histoires, donc ça j'en ai. Il me faut du papier. Et il me faut un stylo et encre. Et le stylo et encre, il me faut des plumes et il me faut une encre. Et pour faire une encre, il me faut une fiole conique, de l'eau. Alors de la peinture noire. Ah, sur l'établi d'alchimie. Donc. En fait, techniquement, pour l'instant, je peux pas me faire de nouveau de. Je peux pas me faire de nouvelles prières. Alors, l'atelier d'alchimie. Parce qu'on en a beaucoup parlé sans me donner de détails, mais l'alchimie, on en a vraiment beaucoup parlé. Alors, elle est où l'alchimie? Elle est là. Alors, j'ai pas débloqué hein, l'alchimie en fait encore. Donc pour l'instant je peux rien faire. Donc bah justement au niveau des technologies, est-ce qu'on pourrait pas encore s'améliorer? Les morts ne vous feront pas de procès, mais soyez tout de même prudent. La probabilité d'une erreur chirurgicale est réduite lorsque vous extrayez les organes importants. Alors est-ce que ce serait pas négligeable ça justement? On a combien de points? Mince. On a 146 points. Ok, donc techniquement on peut le prendre. Mais non, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses intéressantes? Genre, par exemple, acheter des nouvelles prières. Ou continuer d'améliorer les choses pour notre cimetière. Sachant que je suis bloqué à 5. Grosso modo, pour l'instant, à 5 crânes blancs. Donc, il m'est difficile d'aller au-delà... L'encens, donc ça c'était déco pour l'église. Cadélabre 2, vitrail, banc d'église confortable. Ah, il y a plein de choses. Hein. Alors il y a ce fameux crématorium aussi qu'il faudrait que j'arrive à invention d'histoire pour crafter des histoires. Ok. C'est pas évident de choisir talent fermier. Vous n'avez pas peur de vous salir les mains. Vous savez sélectionner les bonnes graines et comment obtenir une meilleure récolte. Ouais, ça, je prends. Allez. On va peut-être commencer aussi à se lancer dans la viticulture. Alors, il me reste 126 bleus. On va pas non plus aller trop vite.
là, c'est bon. Ici, forgeron. Vous allez travailler le fer, chauffer au rouge, marteler vous défend. Et lorsque le travail est fini, vous parvenez toujours à trouver le temps de fabriquer quelques clous supplémentaires. Ah. Là, on aurait le marteau en fer et le burin. Alors, je sais pas à quoi ça sert encore, mais... Ici, on aurait le réseau de lanternes, emplacement pour les lanternes, l'enclume numéro 2, des nouvelles prières. Et ici, on a surtout des nouveaux outils qui dépendent de ces trois-là. Mais ça va me demander beaucoup de points bleus. Ok. Au niveau du bois. Ça, je suis pas sûr que ce soit encore important à faire. Ça, par contre, abattage de grands arbres. Je vais le prendre. Les métaux. Ah, graphite. La récolte de nouveaux métaux, je vais prendre. Ça, c'est quoi? Vous êtes un authentique mineur, vous trouvez des métaux précieux du minerai plus souvent. Mais cela demeure une question de chance et d'énergie. D'accord. Et là-haut, on a l'établi en bois numéro 2. Pour les constructions en bois. D'accord. Et ici, forcément, il n'y a rien. Donc j'en reviens là. Est-ce que je débloque chirurgie? Ça va me mettre un bon coup dans les... Allez, je le débloque. Et on verra bien. À première vue, pour l'instant, j'ai fini tout ce qui était visible ici. Et on va s'arrêter là. Donc les prières, les nouvelles prières, je laisse tomber pour le moment. Et on va regarder la déco de l'église avant la prochaine prière. Donc, la déco de l'église, est-ce que je peux déjà rajouter des bancs? À première vue, je peux mettre encore deux bancs. On m'a dit de rajouter un confessionnal. Pourquoi pas? Et on m'avait dit surtout de virer l'autel, mais l'autel en lui-même ne gêne pas. Donc, c'est vrai que le candélabre, enfin la bougie comme ça ne sert pas à grand-chose en l'état. M'a dit aussi que les allu mettre des bougies et les allumer, c'était pas une obligation, hein. Donc les bancs d'église, les bancs d'église, il me faut des planches en bois et des clous. Donc 8 planches en bois, 8 clous, donc ça fait 16 et 16. Et bien c'est parti. Surtout qu'avec les bancs supplémentaires, on aura plus de monde qui va venir. Donc 16 planches en bois et 16 clous. Alors mon stock de planches en bois doit pas être terrible. J'en ai deux, donc il faut 14 planches en bois et 13 clous. Ok. 14 planches en bois, donc bah, il faut que je fasse 5 crafts. J'ai pas le choix. Ok, et on a dit 13 clous. Il faut que je fasse 3 crafts. J'ai pas le choix non plus. Alors ça consomme, hein. Alors là en dessous, par contre, je dois avoir mon engrais qui est terminé. Ah non, il n'est pas terminé. Ok, là ça n'a pas fini de pousser forcément. Alors régulièrement j'irai racheter des graines hein, quand je serai vraiment à court de stock. Et du coup, je récupère ça. Je récupère ça dans le doute. Hein. J'ai pas envie qu'il m'en manque. Et on va aller améliorer un peu plus notre église. Après le deuxième confessionnal. Ah bah il y a serpent. Alors on va en profiter. Alors, je n'ai rien contre vous, je pourrais peut-être même vous aider. Vous m'avez l'air inutile, mais aussi inoffensif. Aidez-moi à ouvrir cette grille. J'ai des instructions et apparemment j'aurais besoin d'une clé. Mes rossignols ne fonctionnent pas. Apportez-moi la clé et nous parlerons. Fabriquez-en une ou trouvez-la, je m'en fiche. Nouvelle tâche. Ok, j'ai moi aussi besoin de quelque chose qui se trouve de l'autre côté, je vais essayer de vous aider.
Vous pouvez prendre ces instructions. Instructions pour la clé. Ok. Donc attendez, je vais... Chose dans l'ordre, on était parti pour l'église, on fait l'église. Après on va voir cette histoire de collier. Nickel. Donc l'église qui n'a que 22, hein, mais bon, je pense qu'on améliorera petit à petit. C'est vrai qu'un confessionnal ramène 5 par rapport à une lanterne. Ouais, je vais peut-être faire le confessionnal aussi. Second, donc 16, ah ouais, 16 planches. Alors 6 pièces en fer, complexe, et 15 planches. 15 planches, 6 pièces en fer. Alors lui, du coup, maintenant, la fameuse clé que j'ai, parce qu'il me fallait un papier bleu comme ça pour la faire l'étude, est-ce que ça fonctionnerait maintenant du coup? Apparemment oui. Clé de gardien. Clé active. Donc non seulement j'ai gardé l'ancienne, mais j'ai la nouvelle. D'accord, et bien on va lui rendre de suite vu qu'il est là. Donc merci pour l'info. Hein. Et on va prendre 10 de répute avec notre ami. Voilà la clé. Une petite histoire. Enfin une bonne chose de faite. Ok, allez-y en premier. Ils vont voir si je suis un bon à rien. Je vais leur ravaler leur air suffisant. De qui parlez-vous? Mais d'eux, de tous. Tous ceux qui vivent dans cette ville maudite. Tous ceux qui se croient meilleurs que moi. Tout ça parce que j'ai... Tout ça parce qu'ils m'ont... Qu'ils ont tout et que je n'ai rien. Mais bientôt, c'est moi qui aurai tout. Waouh. Ouais. Oh, je crois que je vois ce que je suis venu chercher. Hein? Alors, je n'ai rien fait, hein, c'est automatique. C'est sérieux, ça, en fait? Oh, que s'est-il passé? On dirait que je suis en vie et de retour à la maison. Vu les circonstances, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Je dois y retourner pour mettre la main sur ce journal. Waouh! La violence! On va manger un bout. Ici, par contre, cette fois, ça doit être fini. Alors, attendez, on va relancer ça. On va mettre un peu d'ordre. Genre ça comme ça. La pierre ici. Ça, j'en ai besoin. Ça, il me le faut. Bah, il m'en faut... Non, il m'en faut 6. Si je me rappelle bien. Les clous, je peux reposer. C'était... Ouais, des pièces complexes. Et il me fallait 16 planches, donc 15 en fait. Est-ce que je peux faire 15 planches? Pardon, c'est là. Je fais en même temps, hein, pour... Oui. Non! J'ai pas assez. Crotte. Il me faut un arbre. Vous voyez, mon stock de bois, il est déjà mort. Hein. On m'avait prévenu. Hein. D'ailleurs, je vais mettre ça là. On va aller taper un arbre. Alors, on est quoi? On est lune bleue. Ça avance vite, les journées. Alors, j'essaierai de faire le farming de tout ça à chaque fois hors caméra. Hein. Je sais pas si j'aurai tout le temps le temps. Mais là, ce qui m'a pris énormément de temps, en fait, c'est le cimetière. Hein. Réaménagement du cimetière, ça m'a pris un temps fou. Ah, puis logiquement, maintenant, je peux peut-être abattre ceux-là. Oui, tout à fait. Ah oui, et puis ça donne, en fait. Hein. Ça, c'est cool. En fait, je gagne aussi un tronc avec la racine. Cool. Alors, je rangerai plus tard, vous inquiétez pas. Je vais même en faire une autre. Hein. Ce sera fait. Ça, il va falloir que j'aille faire dodo après.
Nickel. En plus, je suis fatigué. Non, je vais pas faire le dodo de suite. Je vais construire. Alors, par contre, je sais pas pourquoi je suis parti à pied, c'est pas grave. Je vais construire le. Comment dire? Le confessionnal. Comme ça, ce sera fait. On va passer du coup à 27 de beauté d'église. Mais le confessionnal se met pas là en fait. Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté là, les loustiques? Il est plus gros, je peux pas en mettre deux. Ah si, à la place de l'hôtel. Mais ça revient au même, le confessionnal fait 5, l'hôtel fait 6. Fait 5, pardon. Ou alors faut que je mette ça là et que je mette l'hôtel au-dessus. Maintenant, l'hôtel est plus large, il fait 3. Il n'y a pas d'emplacement à 3. Ah, c'est dommage. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais garder les compos. Ah, il n'y a pas de coffre ici. Donc, je vais juste garder les compos qu'il faut pour faire un confessionnal. Je vais les mettre ici. Donc, c'est 16. Et 6, hein, je crois que c'est ça. Attends, je vais aller vérifier. Et non, toi, je veux pas te retirer du coup. Je peux annuler ça là? Je sais pas. Ouais, 16 et 6, c'est ça. On peut pas annuler la mise en destruction là? Bon, tant pis. Alors, ouais, qu'est-ce qu'on a trouvé là-haut? Parce que du coup, Serpent est parti d'un côté, nous on est parti de l'autre. Alors déjà ici, il y a un truc de craft. Waouh, eh ben, comment avez-vous fait? Je n'en sais rien, je suis juste retourné dans ma hutte. Évidemment, je devrais avoir l'habitude, les autres ont toujours tout. Vous n'êtes qu'un pathétique crétin et pourtant vous êtes immortel, ce n'est pas juste. Je vous hais. Pardon? Je vous hais. Tiens, je vais le noter, gardien de cimetière ne peut pas mourir. En fait, je pourrais avoir besoin de votre aide. Maintenant que vous êtes là avec vos pouvoirs d'immortel, je n'ai plus aucune envie de mourir dans ce donjon. Quel donjon? Mais juste là, il était déjà là bien avant cette église, et personne ne sait jusqu'où il s'étend. Les premiers inquisiteurs ont combattu quelque chose dans les profondeurs avant l'ancien contrat. Waouh! En quoi pourrais-je vous aider? J'ai mes sources, donc je sais toujours où trouver ce dont j'ai besoin. Et à ce stade de mon projet de vengeance, de nombreuses choses dont j'aurais besoin se trouvent dans ce donjon. Tout d'abord, il me faudrait un seau de sang, et puis 5 clous ensanglantés. Vous devriez pouvoir les trouver dans les premiers niveaux, là où les païens se faisaient torturer. Ah mais sérieux, il y a carrément un donjon? Drôle de gémissement, on dirait que quelqu'un appelle à l'aide. Il y a quelqu'un? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bien des choses se cachent ici, mais bon, je n'ai que faire de ce qui n'a aucun rapport avec mon plan. Ok. Je devrais jeter un coup d'œil. Mais c'est grand en fait. Oh, Crevendieu! Oh, le mille-dieu! Je n'aurais pas dit mieux, quelle agréable surprise. Je commençais vraiment à désespérer de revoir un jour quelqu'un. C'est quoi ce mec? Vous êtes en vie, vous avez besoin d'aide? Disons que je suis conscient et c'est bien aimable à vous de me proposer votre aide. Je me nomme Gunther. Il devrait y avoir un levier quelque part sur la droite. Trouvé. On avance dans l'histoire là. Génial, je suis surpris qu'il fonctionne encore. À présent, pourriez-vous avoir l'amabilité de me frapper un peu avec votre épée? Puis-je vous poser une question d'abord? Frappez-moi d'abord, cela fait si longtemps que je ne ressens plus rien. Oh, ça fait du bien. Ma première sensation depuis bien des années. Je serai heureux de répondre à vos questions à présent. Qui êtes-vous? Comme je vous l'ai dit, je suis Gunther. Vous êtes mort? Difficile de vous répondre simplement. Personnellement, je préfère être considéré comme une personne transconditionnelle. Mais dans la culture populaire, on nous appelle des non-morts. Pourquoi m'avez-vous demandé de vous frapper?
Oh, dans mon état actuel, je ne ressens absolument rien. Au début, ce fut un véritable cauchemar, et puis j'ai fini par découvrir que je pouvais encore ressentir la douleur. Enfin, la sensation est différente de la douleur, c'est plutôt comme une douce brise, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Je peux encore vous frapper si vous voulez. C'est très gentil de votre part, mais je me dois de refuser. Après tant d'années, vos coups m'ont procuré un plaisir intense. Il me faudra probablement plusieurs années avant de pouvoir à nouveau ressentir quelque chose de similaire. Et puis il me reste bien trop de chair sur les os pour la gâcher ainsi. Alors comment êtes-vous devenu un non-mort donc, un transconditionnel? Grâce à la science et à la magie un peu. C'est le vieux maître qui m'a créé, et pas que moi. Nous étions assez nombreux à une époque. Mes frères travaillent-ils toujours au cimetière? Non, je crois qu'il ne reste plus que vous. En parlant de ça, je suis le nouveau gardien du cimetière. Oh, mais alors vous devriez me créer de nouveaux frères. Ils vous seront d'une grande aide. Créer des frères? Comment puis-je créer des nouveaux transconditionnels? Oh, cela n'a rien de bien compliqué. Vous pourrez trouver les plans d'une table de résurrection sur le râtelier à votre gauche. Hein? Table de résurrection. Il devrait également rester dans les parages quelques bouteilles des principaux ingrédients utilisés lors du rituel de résurrection. Vous pourrez de toute façon en fabriquer avec votre établi d'alchimie, mais j'en ai pas. Vous connaissez la recette? Eh bien le second ingrédient c'est du sang. Pour le premier je ne suis plus trop sûr, mais je crois que c'était une espèce de poudre. Les autres seront-ils comme vous? Hélas non, je suis unique, quelque chose a cloché dans mon cas, j'étais trop intelligent. C'est pour cela que le vieux maître m'a enchaîné ici, je faisais un peu tâche. Je peux vous détacher? Je suis resté enchaîné ici depuis bien trop longtemps, ma chair est trop pourrie, et puis bon, j'ai fini par m'habituer à la vue. En quoi vos frères pourraient-ils m'être utiles? Oh, ils pourront accomplir de menus travaux pour vous. Si vous leur fournissez l'équipement adéquat, ils pourront récolter des ressources pour vous et même les transporter. Ah mais génial! Quel genre d'équipement? Hein, il me semble qu'un zombie devrait être enseveli sous les rochers du chemin qui mène à la forêt. Vous pourrez le déterrer et examiner son équipement. D'accord. Waouh, génial! Alors ici. Vous avez déverrouillé une nouvelle technologie et obtenu table de résurrection. D'accord. Graines d'oignon. Graines de lentilles. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, après, qu'est-ce qu'on a de beau? Ferraille, d'accord. Ok. F. Ah, j'ai plus de stamina, mince. Alors, on va aller dormir les loulous, de toute façon mon perso est très fatigué. Et puis on va essayer de terminer un peu cette zone, de découvrir ce qu'on peut récolter. J'ai eu des graines et tout, c'est cool. Je savais pas par contre qu'on pouvait casser les tonneaux. Donc ça, à mon avis... Eh mais j'ai plus de stam. Je peux peut-être les casser en fait. Pour récupérer des compos. J'avais pas pensé à ça. Ça m'a tilté dans la tête là au moment où j'ai vu les trucs. Franchement c'est cool. Donc en fait grosso modo on va avoir des PNJ qui vont bosser pour nous. Si j'ai bien compris. Et ça a l'air d'être des zombies. Alors des transconditionnels là. On va appeler ça des zombies je pense. Hein. C'est comme ça de toute façon qu'on en a parlé dans le jeu. Oh faut que je fasse ma prière moi. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Non, par là, ça ira plus vite. Vu qu'il faut que je récupère... vite, 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 vite. Il faut que je récupère la prière, justement. Elle est dans le coffre. C'est dommage qu'on puisse pas mettre un coffre dans l'église, d'ailleurs. Ça, c'est important. Faut pas que j'en loupe une autre. J'en ai loupé qu'une hein, jusqu'à présent, donc... on va essayer de continuer à bien faire. Ah non! Sérieux? Attendez. Ah mais le prêtre est pas encore arrivé. Il est trop tôt en fait. Il est trop tôt, ça va, ça va. Du coup, est-ce que j'ai pas des trucs à ranger? Ça je peux pas. Alors j'ai une graine de lentille. Une graine d'oignon.
fabriquer à ferme de zombies. Waouh. Pour fabriquer des graines. Alors viens te poser toi là le cureton là. Toi d'ailleurs t'as rien de. Alors vous voyez j'ai bien monté mon argent avec tous les corps que j'ai inhumés. J'ai pu revendre beaucoup de parchemin, d'inhumation, de faire pas mal de sous. Puis surtout j'ai fait pas mal de messes aussi hein, pendant mon hors caméra. Nickel. Cette fois c'est parti. Donc on devrait gagner plus de fois logiquement. Et peut-être plus d'argent. On va voir ça de suite. Alors, on gagne 6 jetons de fois hein, à chaque fois dans le. Bon à première vue ça ne change pas malgré les bancs en plus. Ah non, toujours 6. Bon, bah, c'est mieux que rien. Hein. Il y a peut-être un chouïa plus de monde. Parfait. Récupérer les sous. Allez, 2 pièces d'argent 49, c'est pas mal. Allez. Du coup, ici, est-ce que j'ai un des trucs à ranger? Alors, ça, je vais le garder sur moi pour l'instant, mais. Alors, les jetons, est-ce que je peux faire de un peu d'analyse, tiens? Ou est-ce que ça va me demander des trucs de fou? On va faire ça. Ça, on refait un peu de... Un peu de... De points. Ouah, wow, tous ces points verts, ça c'est cool. Rouge, rouge, on va étudier ça. Rouge, j'en ai pas besoin, hein, franchement. Ah ça, ça se décompose en fluide et en essence. Alors j'ai pas encore trouvé moyen de décomposer les items. J'imagine certainement que ce sera peut-être avec la table d'alchimie, justement. Donc ça, ici, je peux remettre la clé. On va remettre ça, on va remettre ça aussi. Et on va terminer là-haut. Je vais voir si je peux casser ces tonneaux-là. À première vue, non. Non. Ça marche. Alors, on a ça aussi. Crâne dans une colonne. Crâne dans le mur. Alors, il faut 6 crânes. Alors, des crânes, j'en ai, hein, mais... Très bien, après ça là, on peut rien en faire. Donc là, je peux pas passer. Hein. Ici donc, termine de casser ça. Là, je peux pas, là non plus. Non, ok, après ici. Rien d'autre. Alors est-ce que je fais le test de passer d'essayer de repasser ici? Bah on peut. Alors ici. Un peu de ferraille. Journal du gardien. Ah le fameux journal qu'il me fallait. Alors, non, ça fait rien. Ok. Ok, c'est bon. Alors, le journal du gardien, qui m'avait demandé ça? Je ne me rappelle plus. L'astrologue, qui lui apparaît à la lune. Donc ça, c'est trop tard. Enfin, apparaît. Il est au phare quand il y a la lune. Donc d'accord, on a avancé là-dessus, sur une autre quête. Donc là, j'ai Serpent. Alors, il est où Serpent? Qui veut ceci dans le donjon. Et je vais pouvoir avancer ici. Alors, tant que je suis un peu dans le nez dans les quêtes, l'inquisiteur qui me demandait 20 boîtes chauffe et 10 prospectus, les prospectus, est-ce que je peux avancer aussi là-dessus ou il me faut de l'encre? Seau de sang, je peux le crafter en fait.
C'est un craft le saut de sang, d'accord. Ah, il me faut stylo et encre, mais pour faire le stylo et encre. Ah! C'est bien ça, hein. Il me faut une encre, et pour faire une encre, il me faut ça, et ça, j'ai pas. Bon. Seconde chance. Et ben voilà. Ok. Et ça se... Je sais pas où ça se craft. Ça se craft ici? Non. C'est vrai que je peux stocker ici aussi. Est-ce que ça se craft là-haut alors? De toute façon, on va terminer l'épisode, allez loulou. Sur cette sympathique trouvaille. Non plus. Je sais pas dans quoi ça se craft. Réfléchis. Peut-être à la morgue. On va aller voir. La morgue. Hop. Alors c'est les jarres qu'on peut casser, hein. D'accord. Eh bien, on bossera là-dessus au prochain épisode. Donc la table de résurrection, et avec ça, je pourrais donc peut-être faire la station de porteur, je suppose. Ok. Et dans la quête pour serpent, du coup, il veut un seau de sang, je peux le crafter. Et il manquera les clous ensanglantés. Alors, est-ce que ça se trouve... Est-ce que ça se craft? Je pense pas que ça se craft, hein, quand même. Des clous ensanglantés. Je vais quand même aller voir à l'enclume, mais... on va récupérer... Tant qu'à être ici, ça, et relancer. Ah, et puis les cultures sont prêtes. Alors, on va faire ça. Bon, on va traîner un peu, les loulous, du coup. Comme j'aime bien le faire sur ce jeu. Je pense que vous l'avez tous compris. Je le surkiffe. Pas me ramasser les... J'ai plus de place en fait. Je n'ai plus de place, attendez. On va faire ça. Ça, le champ, faudra que je le bouge de place. Ah! J'ai encore des petites graines que je peux pas prendre. Mais c'est pas grave, on va planter. Alors. Chanvre. Ok. Ça marche. Ici, en stackant les graines. Donc, déjà, j'ai ces graines-là. Deux, une. Betterave, carotte, blé, chanvre. C'est les choux qui me manquent, mais les choux, j'ai mis un compte pile. Parfait. Et ben, du coup, les loulounous, on va se laisser là-dessus. Les loulous, je sais pas ce que j'ai dit. J'ai du boulot. Je voulais juste vérifier les clous. Non, les clous de sang, c'est pas ici. Ça marche. Bah moi, j'espère que cet épisode, donc ce 16e épisode de Graveyard Keeper, vous aura plu, les loups. J'espère vous avoir fait plaisir en faisant un petit récap en début d'épisode et puis en essayant d'être plus moins dispersé au cours de mon épisode. Et puis du coup, on a bien avancé. J'attends toujours vos retours par rapport à tout ça. Et je vous en remercie par avance. Et puis bah, je vous dis à la prochaine, les loulous. Allez, ciao !